épaisser un petit peu le fond de mon saladier, comme ceci, et je vais déposer ma pâte à l'aide d'une corne. Voilà, elle est belle, elle est bien élastique. Voilà, je récupère bien ce qu'il y a au fond. Voilà, c'est une pâte qui est vraiment magnifique, comme dirait notre amie Christina. Voilà, donc une belle pâte. Alors, je la couvre d'un torchon et je la laisse lever pendant 2h30. Nous allons d'abord nous occuper de la pâte, puis après nous allons faire cuire nos oignons confits. Maintenant, nous allons préparer notre compoté d'oignons avec un petit peu de thym fraîchement coupé, de l'huile d'olive et surtout pour corser le tout, personnellement, je mets un demi-verre de vin blanc, du sel et du poivre. Voilà, donc ma pisse saladière a bien levé. J'en ai profité pour nettoyer donc mes anchois que j'avais préparés au sel l'année dernière. Je vous ai donné donc la recette sur le blog, elle y est, vous la chercherez, c'est très facile. Donc j'ai nettoyé mes anchois. Maintenant je vais déposer mon confit d'oignon, mes anchois, un filet d'huile d'olive et je vais mettre tout ça au four que j'ai préchauffé à 230 degrés. Je vais ensuite le baisser à 210 et je vais enfourner pendant 15 minutes parce qu'il y a quand même 500 g de pâte. Là, j'ai tout mis finalement. Je comptais en faire deux, mais comme je veux une pisse saladière assez épaisse et moelleuse, donc j'ai mis la totalité de la pâte. Et voilà, ma pisse saladière est prête. Alors, comme l'a conseillé le chef, 250 g ça aurait suffi, donc c'est-à-dire la moitié des proportions de ma pâte. Lorsque je l'ai étalée, je l'ai vue si fine que j'ai eu peur et j'ai tout mis parce que je voulais quand même une pisse saladière un petit peu épaisse. Je vais vous montrer son profil. Elle a très bien levé et elle est vraiment superbe. Mais un conseil. La prochaine fois, bon vous le savez, c'est la première fois que je faisais cette recette-là. La prochaine fois, mettez 250 g seulement de pâte, ça suffira.